Salut à toutes et à tous, c'est Goto, votre fidèle guide au travers de Chrono Cross, ce magnifique RPG de la PS1. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'objet de la Tour de Guédon. Vous êtes habitués maintenant, les marqueurs temporels comme d'habitude, si vous voulez directement avoir accès à certains objets en particulier. Mais si vous voulez tout ramasser, je vous conseille de suivre cette vidéo de A à Z. Donc, comme d'habitude, je vais passer les dialogues. Si jamais il y a des combats, je vais les passer également. Vous allez voir que cette zone est magnifique. Hein, c'est vraiment une zone, on arrive dans un environnement totalement futuriste et c'est vraiment, c'est très très charmant, très très charmant. Ça change, ça met une belle petite claque. Donc, vous allez vous rendre au premier étage, vous voyez qu'on était au rez-de-chaussée, on a grimpé deux petites paires d'escaliers. Faites attention aux ennemis, il n'y a que deux types d'ennemis dans cette zone, donc globalement rien d'extrême. Vous faites tout le tour, vous voyez, pour arriver dans cette zone. Là, vous avez le premier coffre avec des plumes. Donc ça, ce sera pour la forge, enfin, pour créer tout simplement des accessoires ou équipements. On verra ça un petit peu plus tard. Plutôt que continuer d'explorer le hall, on va directement se rendre ici. Dans cette petite zone qui se trouve, vous voyez, à droite du premier étage. Et là, on va arriver dans cette magnifique gare. Vous allez vous rendre derrière et vous voyez qu'il y a un ennemi Geos. Hein, donc en tout cas, c'est son nom sur cette version Radical Dreamer. Enfin, c'est cette version PS1 traduite en français plutôt. Vous voyez qu'il nous balance une phrase, une phrase quand on lui parle. Vous allez le laisser avancer. Donc je vais accélérer cette partie parce que c'est un petit peu long le temps qu'il se rende à l'endroit concerné. Vous allez le laisser avancer, hop. Et en vous approchant ici, on nous dit il y a quelque chose qui est tombé par terre. Ça n'arrivera pas si jamais vous ne laissez pas partir, d'accord? Vous faites croix à cet endroit, donc c'est sensiblement derrière le panneau. Vous trouvez un passe de garde. Donc ensuite, on va tout simplement grimper. Donc ça, c'est le deuxième objet. Il y a au total 16 items à récupérer. C'est assez énorme. Là, vous voyez qu'en grimpant sur la petite échelle ici pour accéder au-dessus du train, vous avez un purifié. Donc ça, ça vous permettra d'éliminer les altérations d'état noir de vos personnages. Donc tout ce qui est ténèbres, etc. Là, si vous n'avez pas le passe de garde, vous ne pouvez pas passer. Si vous l'avez, vous allez pouvoir passer. Là, à droite, vous voyez qu'il y a un nouveau coffre avec à l'intérieur un rayon sacré. Excellent élément offensif de niveau 5 ou 6, je crois, blanc. Et là, mesdames et messieurs, ici, vous avez un objet très, très important. Il s'agit du livre de médecine. Cet objet vous permettra d'apprendre la technique de niveau 7 de Doc, donc vous savez, ce personnage qui se trouvait à Guldov dans l'autre monde. Donc si vous l'avez recruté et si vous le récupérez au bout d'un moment dans le jeu, vous allez voir que le livre de médecine vous permettra tout simplement d'acquérir sa technique de niveau 7. Voilà, on va poursuivre, on va revenir directement dans le hall. Et cette fois-ci, on va aller au deuxième étage. Donc par ici. Vous avez à droite un autre item à récupérer. Attention au mannequin. Alors ici, globalement, esquiver les ennemis, c'est pas super compliqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Du mithril. Donc ça, toujours pour la forge. Hein, ça pourra éventuellement vous servir, même si les forges sont assez loin maintenant. Donc ce serait dommage de devoir y retourner. Alors attendez, je vais essayer de passer sans me bouffer de combat. Ça serait le top, merci. On va se rendre maintenant à l'ouest de ce deuxième étage. Et vous allez voir qu'il y a un panneau pour l'ascenseur. Pour contrôler l'ascenseur, qui est juste à gauche. Vous allez l'envoyer au rez-de-chaussée. Vous voyez qu'il était au deuxième. Enfin, même peut-être au troisième étage. Et en l'envoyant au rez-de-chaussée, vous voyez qu'il y a un coffre. On va tout simplement aller le chercher. Donc, vous redescendez tous les escaliers, comme ceci. Et vous allez vous rendre... Attention, parce que la salle est vachement grande et la perspective joue vraiment des tours. Ici, vous avez une tiare. Donc ça, si je ne me trompe pas, on va regarder un petit peu vite fait, parce que... Vous avoue que je ne me rappelle plus tellement... À quoi ça correspond, la tiare... Tout court, parce qu'il y a la tiare d'or également. Donc, la voici. Un chapeau trop vieux augmente la défense magique. Donc ça ira uniquement, je pense, sur les personnages féminins, et c'est bien dommage. Mais la voici, vous voyez qu'elle augmente d'un point la défense magique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable en termes d'accessoires. On va poursuivre, ça va devenir un petit peu plus linéaire à partir de maintenant. Vous allez vous rendre au deuxième étage, et cette fois-ci à la sortie à l'ouest, par ici. Là, vous avez 4 coffres dans cette salle, dont un objet très très important qui va vous permettre plus tard d'obtenir l'arme ultime de Pierre. Hein, vous rappelez ce personnage que vous pouvez recruter au tout début du jeu, quand vous devez choisir entre Pierre, Guile et un autre personnage, je ne sais plus lequel c'est. Donc voilà, là on commence à avoir des petites visions, je vais vous passer tout ça, alors faites très attention, les ennemis de cette zone sont vraiment costauds. Donc on va se diriger à l'ouest. Et vous voyez qu'ici, on a deux passages. Vous allez prendre celui qui est juste au-dessus pour aller chercher le premier coffre. Donc c'est le 8e objet, si je ne me trompe pas, de cette zone tout de même. Hein. Vous voyez qu'on en ramasse des trucs. Hein. Après, tout n'est pas ultra intéressant,
mais quand même. Ici, on a de nouveau des plumes. Alors, si vous avez un problème avec les ennemis et que vous voulez vraiment skipper les combats, alors faites bien attention. Vous n'hésitez pas à simplement utiliser sur Radical Dreamer l'accélération. Alors là, visiblement, ça ne va pas fonctionner et je vais me bouffer le combat à ce rythme-là. Merci. Donc, on redescend et vous allez vous diriger cette fois-ci par ici. Là, vous voyez qu'on aperçoit déjà un deuxième coffre. Le voici. Donc là, on a un soin plus. Donc ça, c'est un élément de soin bleu. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça soigne beaucoup plus que soin normal. Ici, vous avez l'épée de scène. Et donc, c'est cet objet clé qui vous permettra d'obtenir l'arme ultime de pierre un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est entre Pierre, Guile et Nikki. J'étais en train d'essayer de me rappeler quel était ce troisième personnage. Mais voilà, c'était Nikki. Donc là, c'est pour l'arme de pierre. Ici, vous avez un soigne et tout. Donc ça, c'est un élément curatif vert qui vous permettra de soigner tous vos personnages. Un petit peu plus élevé, j'ai l'impression, que le revitaliser. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout quand vous voulez pas booster l'air d'effet en blanc. Hein. Et là, ça va être le cas bientôt pour un boss qui sera de nature blanche. Vous allez arriver dans cette salle qui est vraiment très très jolie. Totalement détruite, hein, quasiment, mais vraiment très jolie. Là, on a encore une fois une cutscene. Je vous la passe. Vous allez vous diriger tout d'abord sur le chemin de gauche. On va monter l'échelle qui est juste ici. J'accélère ce petit passage. On monte la deuxième échelle qui est juste là. Des fois, il faut appuyer sur croix pour monter l'échelle. Et ici, alors c'est un petit peu compliqué, vous êtes au niveau du balcon. Vous allez vous diriger dans l'entrée et faire croix. Et parfois, on ne le trouve pas, mais voilà. Vous allez tourner un petit peu, vous rentrez dans la pièce, vous appuyez à fond sur croix et vous tournez en rond pour trouver du mithril. D'accord ? Ce coffre est pas simple à trouver, je vous avoue. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus sur la gauche que parfaitement, on va dire, au centre de la pièce. Mais c'est un peu compliqué parce que là, on peut pas le voir. Là, vous allez continuer votre chemin sur cette passerelle et tout au bout, vous avez un nouveau coffre à récupérer, le 12e de cette vidéo, avec un seul et tout. Donc ça, ça permet de sceller, si je ne me trompe pas, tous les éléments. Donc on ne peut plus utiliser des éléments de manière temporaire. Donc ça, c'est très intéressant, mais forcément, ça fonctionne pas vraiment sur les boss. Ici, la perspective joue des tours. On va se diriger maintenant vers le chemin au nord et se diriger dans cette nouvelle pièce de cette zone absolument magnifique. On arrive ici, une nouvelle cutscene, une fois de plus. Là, vous n'avez qu'un objet à récupérer dans cette zone. Alors, je ne vous spoilerai pas ce qui se passe ici, mais il y a vraiment beaucoup de clins d'œil à Chrono Trigger. C'est hallucinant. C'est vraiment la zone... La mer morte, c'est vraiment la zone du clin d'œil à Chrono Trigger. Ici, on a un diminué. Alors ça, c'est un élément de niveau 6 noir, si je ne me trompe pas, qui vous permettra de diminuer par 2 les dégâts liés aux éléments. Et ça, c'est très intéressant, parce que toutes les attaques spéciales de vos adversaires et des boss, hein, ça fonctionne souvent sur les boss, sera divisé par 2. Et donc, sur les boss extrêmement puissants en magie, ça va être extrêmement intéressant. Rentrez dans le vortex temporel pour arriver dans cette dernière zone du donjon qui va nous donner les deux derniers boss. Ici, vous avez un énergitron. C'est un c'est une machine qui vous permet de récupérer tous vos PV. Et c'était le cas déjà sur Chrono Trigger. Ça, c'est une grosse ref à Chrono Trigger. C'est hallucinant. Donc là, on a un coffre sur la gauche. On va s'y diriger. Alors d'abord sur la droite, ça va être un petit peu plus pratique pour accéder à la suite de la zone. Voilà, vous avez ici l'avant-dernier coffre avec à l'intérieur une robe de métal. Ça, c'est un bon accessoire. Hein, regardez, ça va uniquement aux femmes, encore une fois, c'est dommage. Ici, vous voyez, ça vous octroie 2 points de défense magique supplémentaires et 1 point de défense normal en plus, en moins, par rapport à l'armure de mithril. Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, par rapport à l'armure de mithril, si vous préférez booster la défense magique, ça peut être intéressant. Par exemple, contre un boss qui va principalement balancer des éléments, des attaques spéciales, mais qui va pas spécialement venir vous tâtonner en physique. Donc là, on laisse... Ici, les enfants partir, et vous avez le 16e et dernier coffre de cette vidéo, avec ici une âme damnée. Un élément offensif noir. Donc voilà les amis, pour tous les coffres à récupérer ici, à la tour de Guédon. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. Prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous avez des questions, et on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo d'objets ou de boss sur Chrono Cross. Allez, salut.